One, two, three. One, two, three. Ah, le voilà, American Post. American Post, on est tous très curieux de le voir ici, puisque c'est la première fois qu'il fera la montre ou un rat de très grand, donc dans le centre, dans la baie, en 2015 donc. American Post, il vient de râler très grand, il a fait toute sa carrière d'étalon en Normandie donc. Très beau ce American Post, il est né en 2001, il fait la montre à 3 500 € poulain vivant. Il faisait longtemps la montre déjà à 5 000 €, voire 7 000 € également. Depuis ses débuts d'étalon en 2005. Donc. Alors, au niveau de sa production, il a réalisé une année 2014 tout à fait exceptionnelle. C'est le père d'Amina qui est gagnant du prix Miest. 1 contre 3 pour les pouliches de 2 ans. J'ai hâte de la revoir, cette Amina, elle porte la casaque Cyrul, bien sûr. C'est également le père d'American Daily qui est lui-même étalon depuis cette année. Et également le père de Validor. Il a notamment sorti le deuxième du Quintet Pierre. Il a encore signé un gagnant avant-hier, American Post. Donc voilà au niveau de sa production, au niveau de ses pertes, c'était le meilleur 2 ans européen, s'il vous plaît. Messieurs, dames, attention. C'était l'an 2003, donc il était entraîné par Cricketet, portait la casaque, il défendait les pages de Dieu de Montpins. Il avait gagné le prix Jean-Luc Lagardère, évidemment. Deux semaines plus tard d'ailleurs, plus précisément. Il avait battu les Anglais chez eux dans le Racing Post Trophy, un groupe 1 sur 1600 mètres. À 3 ans, il était invaincu jusqu'à la poule des 7, et donc il s'est retiré au Hara en 2005.